Bonjour Mélodie Monrose. Bonjour Barbara. Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Super. Moi, j'ai la pêche en ce début d'année. Tout va bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Mélodie, j'ai 29 ans. Je suis née et j'ai grandi en Martinique. Ma famille est de Sainte-Luce et je vis aux États-Unis depuis maintenant 11 ans. Voilà. Donc, tu es une Martiniquaise d'ailleurs. Tu te considères d'où, en fait? Je me considère à 100% martiniquaise, mais aussi, je pense que j'ai vécu quand même pratiquement la plupart de mes années de jeune femme aux États-Unis, donc quand même assez américanisée, on va dire. Mais culturellement, toujours caribéenne, toujours martiniquaise. Et qu'est-ce que tu trouves à New York, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu trouves à New York que tu ne trouves pas ici et que tu aimes particulièrement? Yeah, c'est un monde complètement différent. Effectivement, ça a été un gros choc des cultures en arrivant à New York, en venant d'une toute petite île. La mentalité est complètement différente. Effectivement, il y a une différence de langue, une différence de relations tactiles, de rythme. Le rythme martiniquais est beaucoup plus lent, beaucoup plus, je dirais pas reposant. On va dire qu'il est, c'est un rythme des îles, c'est tout. Ouais, mais voilà. Tu reviens régulièrement ici? Assez régulièrement. Je reviens à peu près 2 ou 3 fois par an. Cette année, j'ai eu l'occasion de revenir 3 fois. Ça a été vraiment spécial. Plus le temps passe, plus j'essaie de revenir souvent. Effectivement, avec l'âge, je me rends compte que revenir en Martinique, c'est une nécessité pour moi. Et donc, à New York, tu exerces le métier de modèle ou de mannequin? Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs? Les deux. Modèle, c'est le nom, la traduction littérale de mannequin, en fait, en anglais. On dit mannequin et je suis aussi créatrice de contenu. C'est-à-dire que grâce à ma profession de mannequin, j'ai réussi à créer une communauté en ligne sur mon Instagram et sur les réseaux sociaux. Et donc, j'arrive à avoir des partenariats avec d'autres marques et à créer du contenu. Tu es une influenceuse. On va dire ça. C'est un nouveau métier qui n'existait pas il y a quelques années. Voilà, c'est un nouveau métier, voilà. Effectivement. Et donc, comme tu as une communauté, tu as des followers, soit sur Instagram, exactement. Tu es sur quel support? Instagram. Instagram. Sur TikTok aussi, mais principalement sur Instagram. Tu as combien de followers sur... 123 000. C'est bien. Oui. C'est quoi ton objectif? J'ai pas d'objectif de nombre. Je veux vraiment continuer à essayer de créer des choses qui me plaisent, qui me rendent fière. Des choses qui arrivent à faire partager un sentiment, que ce soit des informations sur moi, ce que j'aime, ce qui me font vibrer, ce qui me fait vibrer, des choses qui m'importent, comme ma culture, les organisations que je soutiens, par exemple, et puis ma famille aussi. Ce sont les trois, on va dire, les trois... mes trois valeurs principales, voilà. Comment on devient mannequin ou modèle? Alors, ça a été un peu de chance, beaucoup de chance. J'avoue que je l'ai un peu manifesté. C'était pas exact. J'ai pas toujours voulu être mannequin en soi, mais j'ai toujours voulu travailler dans la mode. Quand tu étais jeune, tu faisais quoi? Tu dessinais? Je dessinais. Je dessinais beaucoup de vêtements. J'étais fascinée par les magazines de mode. J'avais un peu d'argent de poche que j'économisais. Et je demandais à ce qu'on m'achète des Vogue, et des Cosmo, des Marie Claire, des Elle. Je découpais, je faisais des mood boards, je faisais des inspo. Enfin, j'étais très intéressée par le monde de la beauté et en fait, une belle image. Voilà, c'est ce qui m'intéressait, c'est ce qui me fascinait. Et donc, j'ai toujours voulu en faire partie. Et le mannequinat est un peu arrivé par hasard. Et j'ai saisi l'opportunité. Comment tu définirais précisément un mannequin? Un mannequin? Alors, un mannequin, c'est un artiste. C'est une artiste. Ça peut être un homme ou une femme. Et même pas de genre en particulier. C'est un artiste qui arrive à interpréter un sentiment, qui arrive à mettre en action et apporter de la vie à une vision d'un autre artiste. Donc c'est une collaboration venant du designer ou du photographe, et c'est une collaboration venant de plusieurs acteurs, et on arrive à mettre en scène et à mettre en...
comment on dit, envie à en mettre musique, en... à mettre en espace. En action, en fait. Une vision artistique venant du designer, venant du photographe. Et c'est une collaboration artistique, en fait. Et oui. Mais c'est lié aussi bon, à la beauté, tu l'as dit. C'est lié aussi aux vêtements, souvent. C'est lié à la beauté, c'est lié aux vêtements. Mais on va dire que la beauté, c'est quelque chose de très suggestif. Ce que toi et moi, on peut trouver... on peut définir en tant que beau, n'est pas forcément la même définition qu'un autre artiste de la mode. C'est-à-dire que ce qui est étrange peut être beau, ce qui est peut-être un peu mystérieux peut-être beau aussi. Mais ça a évolué quand même. Il y a eu par exemple les femmes noires dans la mode, oui, comme mannequins. Bon, on parle de Naomi Campbell. Il y a eu un combat à un moment. Le combat est toujours là. Oui. Donc en fait, c'est quand même c'est subjectif, mais c'est quand même, ça peut être aussi imposé avec certaines normes, avec certains canons qui ont été pendant longtemps et qui restent d'ailleurs des canons un petit peu occidentaux. Complètement. Et aussi qui sont liés par exemple à la... Toi, tu es assez filiforme, tu es grande. Donc il y a des canons, il y a des choses qui sont imposées, même si on sent bien que ces dernières années, il y a une volonté d'aller vers la diversité, notamment... comment elle s'appelle, Rihanna, qui a fait son dernier défilé avec des gens qui étaient plus ou moins minces, plus ou moins forts, etc., non ? Complètement. Effectivement, il y a un changement. Pendant très très longtemps, on va dire que les normes de la beauté dans la mode étaient imposées par un standard eurocentrique, en fait. Et donc... c'était un peu la blonde, les filles de l'Europe de l'Est qui fonctionnaient très bien. Il y avait un peu de place pour des filles noires, mais il fallait qu'elles aient des traits très particuliers, pas trop négroïdes. Il fallait se lisser les cheveux, il fallait porter des tissages, il fallait se conformer à des standards de beauté qui étaient européens, ce qui était pas forcément juste, mais pendant longtemps, c'était comme ça. Jusqu'à ce que les réseaux sociaux viennent s'ajouter. Et influencent un petit peu. Voilà, c'est-à-dire qu'on va dire que pendant très longtemps, la mode était toujours une industrie assez élitiste et qui donnait un ton à ce qu'il fallait porter, ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait consommer, voilà. Et maintenant que le rapport consommateur et producteur, on va dire, a été réduit par rapport aux réseaux sociaux, maintenant, quand on est un utilisateur d'Instagram, on peut commenter en dessous d'une photo de Dolce & Gabbana, par exemple, et dire qu'on n'aime pas ce qu'ils font, et qu'on n'est pas d'accord et qu'on voudrait, par exemple, plus de représentation. Et ces voix sont de plus en plus fortes, de plus en plus... Entendu. Voilà, exactement. Et donc, les designers, les professionnels de la mode n'ont pas le choix que de faire en sorte de s'ouvrir. Faire évoluer les choses. Et de faire évoluer les choses et de donner un peu plus de diversité et une place à tout le monde, quoi. Alors, tu as travaillé, c'est vrai que quand on parle des mannequins, on dit, voilà, elle a travaillé avec des grands noms. Donc, toi, tu as travaillé notamment avec Armani, H&M, Nasigal et d'autres peut-être que j'ai oubliées. Gucci, Dolce & Gabbana, qui d'autre, Prada. Quoi d'autre, Estée Lauder, MAC, NARS, Sephora. Pas mal de marques. Donc on dit que tu es mannequin international. 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 Voilà. Tu as beaucoup voyagé ? Beaucoup. J'ai fait la liste récemment. J'ai fait 30 pays. Wow. Ouais, c'est pas mal. Quels sont les pays qu'il te reste à visiter ? Ah, il y en a beaucoup. Surtout en Asie. Il y a énormément de pays d'Asie que j'aimerais beaucoup visiter. Surtout les anciennes colonies françaises. C'est assez intéressant de voir l'impact... des anciennes colonies françaises dans la cuisine, le Vietnam par exemple, dans la cuisine, dans l'architecture. Il y a énormément de similarités en fait dans notre culture à nous.
Je suis allée récemment à la Nouvelle-Orléans et je me suis sentie un peu chez moi par rapport aux couleurs des maisons, l'architecture. Et donc, c'est assez intéressant. Et avec qui tu voudrais travailler? Oui, il y en a beaucoup. Tu as travaillé quasiment avec tout le monde, non? J'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de marques, mais j'ai pas mal de. J'ai encore une longue liste. C'est qui le. Moi qui ne suis pas du tout de la mode, c'est qui la marque la plus trendy, la plus. En ce moment, ouais. Qu'est-ce qu'il faut dépend. Quel est le sac qu'il faut porter? Alors, ton petit conseil beauté, ton petit conseil mode, s'il te plaît. Quel est le sac qu'il faut absolument porter? Quel est le maquillage qu'il faut absolument avoir? Alors, c'est large, hein. Non, mais juste, voilà. Je tes sais conseils que d'influenceuse. au niveau de marque, on va dire, vêtements dont on parle beaucoup en ce moment, je dirais que c'est Balenciaga. Mm-hmm. C'est une des marques qui a su se réinventer au niveau... Mais c'est grand public, ça? Parce qu'en fait, la mode, tu disais tout à l'heure que c'était élitiste, voilà, ça reste quand même très élitiste. Effectivement, hein. C'est pas une rangée de prix qui est accessible à tout le monde, c'est assez cher. Mm-hmm. Ce sont des vêtements qui sont faits à faible quantité et en général il y a une main d'œuvre assez qui sont assez formées, réputées. Experte. Voilà, exactement. Donc oui, Balenciaga c'est une marque qui fonctionne très bien, qui une marque qui a su se réinventer, qui est super trendy et qui a beaucoup de presse en ce moment. Donc je dirais que celle-ci. Quand il s'agit du make-up, je dirais Fenty. Rihanna fait un très très bon boulot dans tout. De la façon dont elle mène sa marque en tant qu'elle, elle-même aussi sa marque de vêtements et de make-up. C'est assez inclusif et on s'y retrouve. C'est jeune, c'est frais, ça a du peps. Donc je pense que ça plaît à beaucoup de gens. Et même, j'en parle par exemple, j'en ai parlé avec mon père. Il connaît Rihanna, il connaît sa marque. Et si je lui propose un produit de skincare, par exemple, de produits pour s'occuper de son visage, du soin de la peau, par exemple, il est plus attiré par quelque chose qui a le nom de Rihanna dessus. Voilà. Ça te donne des idées, non? Toi qui dessinais quand tu étais enfant? Pourquoi pas? Je ne me ferme pas. Entre influenceur, tu as 29 ans, chef d'entreprise. En fait, chef d'entreprise, c'est définitivement quelque chose qui me plaît. C'est définitivement quelque chose qu'il faudrait que... auquel il faudrait que je pense. Mm-hmm. On va dire que c'est mon but, mon prochain but. Je n'ai pas d'idée particulière, mais... on n'en manquera pas d'en parler si ça vient. Alors, tu es aussi ambassadrice de la Martinique. Effectivement. Et puis, tu es aussi marraine d'une association des Amazones. Oui. Pourquoi? Parle-nous de ta mission. Alors, les Amazones en particulier, ça vient d'un... c'est assez personnel comme projet parce que ma mère a été touchée par le cancer du sein à 35 ans. Ça a été un moment assez... comment on dit en français? Defining. Important dans ta Important dans ma vie, charnière. Oui. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a, ça a un peu changé notre, assez bousculé notre enfance, on va dire, et ça m'a beaucoup marqué. Et on a dû, par exemple, on a dû déménager et s'installer en France pour continuer nos soins. Et ma mère s'est un peu retrouvée à se soigner sans forcément avoir des gens autour d'elle qui pouvaient l'écouter et l'épauler, même si on avait une structure familiale assez forte. Ça, c'est une chance que tout le monde n'a pas, par exemple. Et tout le monde n'a pas forcément les moyens de se relocaliser en France pour pouvoir continuer ses soins. Et donc, le travail des Amazones est très, très important parce qu'elles les accompagnent. Elles les accompagnent et créent une communauté qui est très importante. Okay. Et en tant qu'ambassadrice de la Martinique, c'est aussi une mission qui te tient à cœur? Oui, totalement. C'est une mission qui est assez naturelle. Je pense que ça se voyait sur les réseaux. Je faisais en sorte de pouvoir mettre en scène mon île et ma culture de façon authentique. Et ça s'est fait très naturellement. Et on a eu un contact
Et jusqu'à présent, ça fait maintenant 2 ans que je suis ambassadrice de la destination Martinique. Et j'en suis très fière et on a créé de belles choses ensemble. Le mot de la fin, Mélodie, ce serait quoi? Le mot de la fin. Alors, c'est surtout pour la jeunesse. Je pense qu'en Martinique, on a souvent une peur de pouvoir partir, de s'exporter et de rêver grand aussi. J'ai de la chance d'avoir des parents qui ne m'ont jamais mis de limites. Ils m'ont toujours laissé rêver. Et donc, je dirais que ce serait de continuer à rêver. Voilà. Merci, Mélodie. Merci beaucoup.